Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le DT de 2009. Donc, j'ai pas fait d'épisode de, depuis un petit moment dessus parce que euh, j'ai pris du retard, énormément, énormément de retard sur ce becane. Et il y a un petit fail sur ce becane. Euh, elle tourne très mal. Alors... J'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Hein. Euh, j'ai tout essayé niveau réglage carbu, mais il n'y a pas moyen d'avoir un ralenti stable. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Enfin, j'ai un petit doute, hein, parce que fut un temps, elle marchait bien. Euh, je soupçonne une prise d'air sur le moteur. Alors euh, pourtant le moteur a été intégralement refait. J'avais fait un test d'étanchilité. Elle avait passé le test d'étanchilité. Sauf que bah j'avais pas de carbu fonctionnel à ce moment-là, le carbu d'origine de 16 était mort. J'ai collé un 21 dessus parce que c'est le seul truc que j'avais en stock moi ici. Et euh, le truc c'est que bah j'avais pas ce qu'il fallait pour la régler au départ. Après j'ai eu ce qu'il fallait mais j'ai eu un mail de face concernant le joint torique de Villebrequin qui était défectueux. J'ai monté également dessus et qu'en montant j'ai cassé donc j'ai été racheté un joint torique. Le truc c'est que la dernière fois, alors je dis suspicion de prise d'air, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, quand j'ai fait le test d'étanchéité le deuxième coup, je l'ai fait avec mon compresseur et mon manomètre. Mais j'ai pas monté le bon manomètre parce que j'ai deux manomètres, j'en ai un qui est défectueux et un qui n'est pas défectueux et dès que je mettais plus de 1 bar dans le moteur, l'aiguille descendait et ça s'entendait au bruit. Le problème c'est que je savais j'ai mis ça sur le fait du mano mais je suis pas sûr à 100% que c'était le mano. Maintenant là où j'en viens au fait que elle a peut-être une prise d'air, alors deux raisons. Là, actuellement, elle est réglée avec un gicleur de ralenti de 45 et un gicleur principal de 120. C'est un PHBG 21. C'est le vrai PHBG. C'est pas la copie chinoise du genre YSN et tout ça. C'est un vrai, vrai, vrai PHBG. La vis de richesse, elle est dé... elle est... je l'ai vissée à fond et je l'ai desserrée de deux tours complets. L'aiguille du boisseau, elle est au deuxième cran en partant du haut. Maintenant, j'ai essayé de remonter encore l'aiguille d'un cran et c'est pas possible, ça marche pas parce que dès qu'on amène les gaz à fond, elle fait. Euh, bah elle sature en fait, comme si elle était trop riche. Si je monte le gicleur de ralent... euh, principal, ne serait-ce que de 5 ou 10 points de plus, c'est comme si je roulais avec le starter. Si j'augmente le gicleur de ralenti à 55, c'est pas compliqué. Elle tient le ralenti, puis il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Mais le problème que j'ai, le plus gros problème que j'ai, c'est que là, un exemple, je vous la sors dehors, je vous la mets en route, elle démarre au quart de tour, même sans mettre le starter, elle démarre, ça, il n'y a pas de problème. Elle tient le ralenti à 1800-1900 tours minute, je mets des coups de gaz, elle reste pas accélérée, c elle, elle tient le ralenti normalement. Par contre, maintenant, je la laisse chauffer, je monte dessus, je commence à rouler avec, elle va bien marcher. Surtout depuis que j'ai enlevé l'arrivée la, d'air de la boîte à air qui a tendance à couper les pattes au cylindre parce que qu'on bah, ne met pas une boîte à air avec un cylindre comme ça normalement. Enfin, on met pas la boîte à air d'origine avec ce cylindre-là. Petit problème, c'est que dès que je roule avec, et bah, dès que je m'arrête, elle reste à 3100 tours et après elle redescend. Et là où ça me fait penser à une prise d'air, c'est que moi j'ai déjà eu ça sur ma 50 à une période. J'ai cherché pendant 6 mois et c'était une prise d'air. Le truc, c'est que le seul endroit où il peut y avoir une prise d'air. C'est au Ville-Broquin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça ne peut pas être l'admission. Parce que toute l'admission est montée à la pâte à joint CAF 1, comme sur la mienne. J'ai aspergé euh, de liquide quand elle était en route au niveau de l'admission. Le régime n'a pas descendu. Donc ça ne vient pas de là. Maintenant, c'est soit il y a une fuite au Ville-Broquin, soit au cylindre. Je n'ai pas contrôlé. Je n'ai plus le temps. Elle part demain la moto. Je n'ai plus le temps de. J'ai eu d'autres trucs à faire dessus. Contacteur de stop, installation du compteur, installation de la bulle. Parce qu'on a trouvé une bulle. On a monté une bulle d'origine pour le coup là cette fois. Et euh, le problème, c'est que quand j'ai démonté pour le joint Torique, euh, qu'a été ma surprise de voir que le joint Spi côté embrayage était en train de se faire la malle. Le truc, c'est que c'est des joints New Frame. Euh, non, pas New Frame, pardon. Euh, Artenne, qu'on a acheté chez un garagiste. Et le garagiste n'est pas en cause, c'est juste que depuis quelques temps, je remarque ça sur plusieurs marques. On nous fait de la merde. Niveau joints SPI, je, je suis désolé de le dire. Les fabricants, merci de continuer à faire les pièces comme vous faisiez avant. J'ai eu le cas avec des joints SPI top performance sur le moteur de la Peugeot XP6 à mon cousin. Je vous leur remets le remets en, en petit là-haut, là si j'y pense. Euh... J'ai fait un test étanchéité moteur avant. De le démonter, il était étanche. J'ai refait le moteur, j'ai monté les joints. Le moteur n'était plus étanche au niveau du vilebrequin. J'ai changé les joints. J'ai mis deux joints euh, Polyni PTFE, donc ce qu'ils appellent polyni Teflon, les bleus. Moteur étanche et c'était les joints spi top perf qui avaient un défaut au niveau des des hein, Tout le reste était étanche. C'était juste niveau vilebrequin que c'était pas étanche. Du coup, moi de ce côté-là, côté embrayage ce que j'ai fait, c'est que j'y ai monté le joint. Speak, j'avais acheté pour ma 50 à moi qui est un joint Speak d'origine Minarelli. Le problème c'est que maintenant même les, apparemment les origines Minarelli ceux de maintenant c'est devenu de la merde. Sauf que moi c'est des joints que j'ai acheté il y a un an et demi maintenant donc encore de la qualité. Le problème c'est que j'ai changé que celui côté embrayage. J'ai pas changé côté gauche. J'ai changé côté embrayage parce que c'est le côté que j'ai démonté pour changer le joint torique. L'autre côté j'ai pas démonté. Donc, j'ai dit au gars, moi, écoute, ta bécane, je suis dessus depuis mars, hein, actuellement, on est en septembre. Je sais pas si vous vous rendez compte de le du temps que j'ai passé là-dessus. Sauf que moi, le problème, c'est que j'ai d'autres trucs à faire. Euh, là, la bécane, euh, elle démarre. Niveau électrique, tout marche, faut stop, klaxon, clignotant, phare avant, phare arrière. Niveau électrique, tout est fonctionnel. La bécane, est, elle démarre. S'il veut, il pourrait rouler comme ça. c'est Moi, j'y ai dit, par contre, tant que tu as une prise d'air... Tant qu'on n'arrive pas à faire un truc pour le réglage, pour moi c'est une prise d'air. Il n'y a pas à chercher. Ce carburant-là, il était sur mon DT50, sur un 86 cm3, alors qu'il était trop petit, et ça marchait. Je dis pas que c'était fiable parce que j'ai percé le piston, mais ça marchait. Elle démarrait au quart, elle tenait le ralenti, elle n'avait pas de problème de ralenti qui reste en haut, de ralenti qui reste trop bas, elle avait un ralenti 100% fiable. Le, la machine, on, elle avait ses tours et tout. Donc pour moi, de toute façon, c'est sûr, ce n'est pas le carbu. Donc, euh, j'y ai dit, pour moi, il y a deux possibilités. Y a, pour moi, il y a deux problèmes. Déjà, la boîte à air me bloque, me bride le moteur. Déjà, ça, c'est clair et net, le, la boîte me bride le moteur, la boîte à air. Parce que là, si je vous remets la, la, la d'air, la bécane, c'est simple. Euh, je suis obligé de cirer l'embrayage comme pas permis. Comme pas permis. Et je pense que le. Soit il n'y a que. Pour moi, il y a quand même une pression, mais je pense que ça déjà, ça aide pas, parce que dès que j'ai enlevé l'arrivée d'air, la, la moto, s'est légèrement libérée. Le problème, c'est qu'on sent, c'est que au démarrage, mais on sent que ça pourrait être mieux. Et j'ai déjà eu le cas sur un Derby Euro 3, sur un Derby Sanda moteur, un Derby Euro 3, euh, sur un pot d'échappement, sur un Technigaz Inox, euh, que le gars, il l'avait fait monter par garage. Il me dit, je comprends pas, il a du mal à s'élancer au démarrage. Et j'y ai dit, euh, on va faire un truc. On va démonter la boîte à air, on va, on va essayer. On avait démonté la boîte à air, on a mis un bout de collant au cul du, du carbu pour voir. Et là, ça nous avait débloqué euh, quasiment 50% de la puissance. Hein. On avait eu 15, euh, 50% de plus de puissance. Euh, le problème, c'est que là, je suis sur un PHBG, je ne suis pas sur un PHVA ou un PHBN, donc je ne peux pas mettre de comme je veux. J'ai dit au gars, écoute, le mieux, euh, vu que je sais que ça fonctionnait sur la mienne, sur un 86 cm3, ça marchera très bien sur un 50. C'est de trouver un, le filtre à air comme moi j'avais. Alors moi je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à mon cousin. C'est un mal aussi. E3B c'est un filtre qui se monte uniquement sur le PHBG. Cherchez pas à le monter sur un autre carbu si vous avez un filtre comme ça ou vous pouvez pas. C'est un filtre qui se visse. Et là où je pense que c'est la, la boîte à air me bloque la puissance du moteur, c'est j'y ai réfléchi qu'après. Mais là-dessus on a un squish de bâtard. Je me, quand, je me, quand je dis un squish de bâtard, c'est qu'on a un squish de 1mm sur ce moteur là. La DT, quand j'ai monté. Euh, déjà, quand j'avais monté le 70, déjà, ça ne marchait pas avec la boîte à air. Déjà. Donc, euh, voilà. Alors qu'elle avait un squish à 0,70, ça ne marchait pas quand j'avais monté le 70. Et voilà. Et là, je vais vous expliquer pourquoi qu'elle part demain, surtout. Alors, elle, elle part au garage. Je l'emmène dans mon garage. Hein, parce que j'ai un petit problème de petit rongeur ici et là depuis quelques jours. J'en ai trouvé un qui est sorti du dessous du réservoir de la DT. Donc elle, elle part à mon garage. Hein. Elle sera pas réparée. Euh, je sais pas quand est-ce qu'elle sera réparée. Je vous le dis. Euh. J'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de trucs à faire dessus parce que je vais vous expliquer pourquoi parce que j'ai piqué des pièces d'elle pour mettre sur celle à mon pote euh, parce qu'il y a eu des couilles qui ont été faites sur la bécane quand elle était euh, chez l'autre gars. Euh, je vous ferai une vidéo à part, j'expliquerai. Euh, donc elle, elle a, actuellement, elle n'a plus de pompe à essence. Elle a plus de robinet à dépression. Elle a actuellement. Euh... Voilà hein, le réservoir. Je passe le doigt dedans. Euh, il y a le moteur à refaire. Carbu, kit admission complet. Donc carbu, filtre à air, euh, pipe d'admission. Je passe en 28 mm. Donc il me faut tout ce qui va avec. J'ai purge euh, tout le, change, le changement complet du liquide de frein avant. Le changement complet du liquide de frein arrière. J'ai le mètre cylindre de frein arrière à changer. Euh, j'ai les disques à décaper. Euh, L'autre fois, j'ai voulu piquer la vis euh, du compteur parce que là-dessus, euh, bah, Koso, euh, voilà. Le problème, c'est que la vis a un peu cassé dans le disque. Enfin, je vois que c'est juste la tête, donc euh, si ça se trouve... Euh, voilà quoi. Donc la vis est pétée dans le disque. Bon... La vis n'est pas cassée dans le disque, c'est moi qui fais une connerie. Enfin bref. Euh, du coup, euh, bon, la vis, j'arriverai à la sortir, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que j'ai énormément de trucs à faire. Madame, euh, quand je l'ai ramenée, je me suis aperçu qu'elle a commencé à se mettre à fuir au niveau du. Euh, on va pas voir. Mais en fait elle pisse au niveau du, du, du spi côté passager, enfin côté droit, je veux dire. Donc il y a joint speed fourche, roulement de colonne de direction, il y a le liquide de frein des deux freins à changer il euh, y a le moteur à refaire, médecin de frein arrière à refaire, a changé, j'ai une boucle arrière, la boucle arrière a changé, on m'en a donné une, parce que celle-là, elle est un peu massacrée, euh, et je voudrais surtout faire un truc, parce qu'elle est en train de rouiller, puis comme pas permis, c'est la repeindre, repeindre le châssis, parce que, bah, je, je vous donne un, voilà, juger hein, le disque est rouillé à l'arrière, ça vous donne l'aperçu de combien de temps qu'elle n'a pas tourné, euh, eh, je vous avoue que la voiture, je voudrais bien qu'elle arrête de tourner en panne que je puisse m'y attaquer. Et voilà, il y a tout le kit admission aussi à faire. Et Voilà, voilà, quoi. Le moteur, je vais être obligé de l'ouvrir parce que, bah, bien entendu, vu que j'ai percé le piston, toute la limaille est dedans. J'ai également un boulon euh, moteur à l'avant à changer parce que lui, euh, il est foiré. Quand j'ai démonté le dernier coup, pour démonter le cylindre, parce que 86 en course longue, bah vous prenez le moteur, vous le tirez vers l'arrière pour l'enlever, hein, parce que sinon vous oubliez. Actuellement, il y a une pipe d'admission euh, origine dessus, mais je l'ai mis, c'est surtout principalement pour protéger, on va dire, le clapet. Mais euh, comme un gros con, je ne l'ai pas bouché. Enfin, j'avais bouché, mais bon, vu comme j'ai trouvé un, un espèce de rongeur là-dessus, euh, pas plus tard que cet après-midi, bah, il m'a chopé le papier parce que j'ai mis le bouchon de ce côté-là. Et à niveau échappement, j'ai mis le bouchon. Donc, la DT, voilà. Je, pour le pot d'échappement, je vais changer le raccord d'échappement. Euh, là-dessus, j'étais en 28-32 euh, à la base sur le SCR Cors Racing Line 70 qui est là. Donc, en fait, euh, je suis à la base là-dessus. Alors, c'est une vidéo un petit peu euh, à l'arrache, hein, je vous le dis. Mais en fait, là, je suis en 32 et du coup, le cylindre est en 32. Mais le problème, c'est que mon raccord d'échappement est en 28. Donc, il a fallu que je mette un, ben, un adaptateur. Ça, je le dégage. Je vais l'enlever, je vais prendre la longueur et je vais trouver du tube en 32-32 des deux côtés. Donc voilà. 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 Il y a ça. J'ai là-bas, le, le, là j'ai les deux scouts à finir. Lui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le noir, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai surtout le phare avant à changer parce qu'il est opaque. La maladie des phares en plastique. Hein. J'en ai un, donc il faut que je le monte la cale isothermique du carbu qu'il faut que je change lui il y a du taf il y a énormément de taf alors je vous explique pourquoi déjà on m'a fait des vacheries dessus on m'a cassé on m'a coupé la durée de l'huile. on m'a pété un clignotant dessus hein, ça tient avec du shitterton et un je j'ai pas le choix c'est le rison a même sauté alors, c'est le carreau qui est cassé, mais le problème, c'est que bah, c'est clignotant à l'aide. Donc, euh... <laughs> voilà quoi. On pas comme on peut. Lui, on m'a fait pas mal de couilles dessus. Hein. Le mec, le jour que je lui mets la main dessus, il va perdre des dents. Voilà. Alors, je vous disais, le mec, il va perdre des dents. Alors, il m'a cassé un clignotant, il m'a coupé la durée d'huile et surtout il m'a pété, alors je sais plus où que c'est. Je crois que c'est en dessous, mais il y a eu le, le sabot, là, le, le cache qui est en dessous là, qui est cassé. Elle euh, voilà, hein, ça se passe de commentaires, elle hein, sera faite quand elle sera faite. Je vous avoue que ça fait un an et demi qu'elle est en train de pourrir et ça commence à me casser les couilles. Et aussi la 89 parce que la 89, euh, bah elle est en panne. Elle est en panne depuis plusieurs mois. Euh, j'en ai marre d'un truc. C'est les pièces qu'on nous fabrique actuellement. J'en ai franchement marre. Alors, j'ai racheté un carbu de l'Orto SHA 1515. De l'Orto. Pas copie, hein. Moi, je, de toute façon, je ne roule que avec du de l'Orto, des carbus de marque, hein. Je veux pas de machin Shintok, Tok, euh, mes couilles, mes burnes. Une pipe d'admission. Le problème, c'est que parce que ma pipe avait cassé et la seule que le garage avait, c'était une chinoise. Bien entendu, sinon c'est pas drôle. Le carbu, tous les 11 km, il se démanchonnait alors qu'il était serré. Hein. J'avais fait même la modif au niveau de, de, de la fixation à l'avant parce qu'en général, les sh 15, il faut leur foutre un coup de, un coup de disque de Dremel parce que sinon, bah, vous pouvez serrer, 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 serrer. Vous avez cassé le carbu avant qu'il serre. Ça, c'est pareil, hein. ça fait plus de 10 ans qu'il y a ce problème-là sur ces carburants, mais c'est toujours pas corrigé. Euh, donc, euh, carbu étanche à ce moment-là, mais qui n'est pas. Puis en dernier, ça a fini à force que le carbu se démanchonne, parce que bien entendu, ça m'arrive sur la route à 70, donc voilà. Ça a pété la pipe d'admission, j'ai ramené la pipe de chez le garage, il m'en a refilé une autre. Alors maintenant, le carbu, il tient, mais le carbu n'est plus étanche. <laughs> bien entendu. Parce qu'à force de se démanchonner, ça a bouffé la bague. Et le problème, bah, c'est que le garage, euh, bah, il m'avait pas dit qu'il en avait. Et c'est l'autre fois quand j'étais, je me suis dit, Mais, as les bagues pour le carbu. Bah oui, et je suis dit, tu pourrais peut-être me le dire, non Parce que moi, c'est ça qui est mort sur la 8.9. Une putain de bague à 1 ou 2 euros, quoi. Donc elle, je la, elle, elle part au garage. Celle qui est au garage, donc la 8.9, elle revient ici. Et je m'attaque normalement demain dessus. Euh, je vous avoue, je fais plus beaucoup de vidéos. J'ai, j'ai plus. YouTube me gonfle très clairement, donc euh, voilà. YouTube me gonfle parce que YouTube euh, m'ont dégagé des vidéos, YouTube euh, bloque des commentaires qui ne vont pas lieu de bloquer, mais bloque pas de commentaires qui devraient bloquer. Donc je suis plus beaucoup sur YouTube, hein. je, je suis plus j'ai des vidéos hein, qui sont tournées, hein. j'ai des vidéos de mai et tout ça à monter, mais je vous avoue que j'ai plus j'ai plus envie de me faire chier actuellement à monter de vidéos Celle-là je suis en train de la tourner, mais je sais même pas quand est-ce qu'elle va être montée, mais c'est juste que c'est principalement YouTube là qui me gonfle depuis quelque temps, donc voilà. Voilà, voilà. Je vais vous montrer le DT maintenant. Parce qu'à la base, c'était un petit peu le, le but de la vidéo. Donc la DT, comme je disais, on a remonté une bulle d'origine. Alors pareil, chez Yamaha, c'est un peu devenu de la merde les pièces. Hein. Je vais vous expliquer ça après. Là, le problème, c'est qu'elle est tournée et j'ai pas la clé parce que j'ai mis l'antivol. Donc on a la roue, euh, enfin on a la bulle d'origine. Donc euh, elle est intégralement remontée. Hein, sinon, ça il n'y a pas de problème. J'ai rechangé le contacteur de stop. Hein, je vous montre pourquoi. Achetez pas des trucs comme ça chez Scootfast, c'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est un contacteur de stop tout neuf, à la base, que j'ai acheté normalement sur Scootfast il y a un an, que j'avais gardé en stock parce qu'à la base, je devais le monter sur la DT, la mienne, mais bon, elle est tombée en panne derrière, donc j'ai pas eu le temps de le monter. Et ben, j'avais plus de faux stop, et tout à l'heure, quand j'ai démonté, j'ai enlevé le caoutchouc, euh, enfin, surtout quand j'ai enlevé les cosses, là. Quand j'ai enlevé les... ça, normalement, vous voyez, ça... Ça vient, ça vient là, et normalement il y a le faisceau qui se branche dessus. Et ben quand j'ai enlevé la cosse du faisceau, ben en fait, le problème c'est que j'ai tout ça qui est venu. Et ce qui était dedans, ça est parti sur orbite. Donc, c'est bien pour un contacteur que j'ai payé 3 balles. Enfin, plutôt 5 euros chez Scootfast. Hein. Ils ont osé me vendre ça 5 euros en disant que c'était du domino, alors que chez mon garagiste, ça vaut 3 balles. Ça va là, il est 2 euros de marge. Hein. Nickel. Euh, donc bah, carénage remonté aussi hein, de ce côté-là. J'avais dit que je ferais le montage en vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai pris énormément de retard dessus. Euh, donc euh, la roue avant, faut que je regarde parce qu'elle avait. Quand on a, mon pote a fait changer sa, enfin moi j'y ai donné une jante parce que sa jante, si vous vous rappelez, elle était pliée. J'y avais donné cette jante-là. C'est une jante que j'avais rénovée. Euh, on a fait monter un pneu neuf et une chambre neuve. Le problème, c'est que la roue, quand je l'ai récupérée. Quand Je l'ai récupéré, récupéré pour aller récupérer la bécane chez, euh, à l'endroit où elle était, chez l'autre... Euh, voilà. Et le problème, c'est que bah, quand j'ai commencé à faire les réglages carburage, je disais, mais putain, c'est bizarre, elle est dure à tourner au niveau de la direction et tout. Pourtant, j'ai refait les roulements. J'avais plus que 0,5 dans le pneu avant. 0,5, alors que normalement il était censé y avoir 2 kg, 2,3 kg. Et je l'ai regonflé, et euh, bah 15 jours après, euh, je la redéplace, et je dis, mais putain, elle a encore de nouveau dur. Et je reteste, et euh, re de nouveau 0,5. Et j'en ai parlé au garagiste qui a fait la réparation. Attendez, je vous reprends facecam. Donc, je vous disais, j'en ai parlé au garagiste qui a fait, les répar qui a fait la, le montage du pneu et de la chambre à air, et le problème, c'est qu'il m'a dit, regarde si l'obus, il n'est pas desserré. Et effectivement, l'obus était desserré parce que je l'ai resserré de deux tours complets. Le souci, c'est qu'après, quand j'ai voulu regonfler la roue, moi, je ne pouvais plus la gonfler. Donc l'obus serré, je ne pouvais pas gonfler. Fallait desserrer l'obus, gonfler et resserrer l'obus. Je suis désolé, mais non, ça c'est pas normal. Hein. Euh, ça doit pas faire ça. J'y en ai parlé, il m'a redonné un obus que j'ai monté dessus. Donc maintenant, je peux le serrer à fond et je peux gonfler la roue. Sauf qu'il faut que je revire l'autre... Le dernier coup, quand j'ai revérifié, je crois qu'elle était à 2,1 kg alors, au lieu de 2,3 kg. Et le problème, c'est comme j'ai dit, j'avais le mauvais mano sur le compresseur, donc il faut que je remonte le bon manomètre et que je recontrôle la pression. À savoir que la roue avant euh, a été refaite en juillet, je crois, et elle a été montée quasiment derrière et elle a perdu plus de 2 kg. Tandis que enfin, presque 2 kg tandis que celle qui était à l'arrière que j'ai gonflée au mois de mars, elle a perdu que 1 kg parce qu'elle était j'ai mis 2,5 kg. Elle est passée à 1,5 kg. Elle a perdu qu'un kilo. C'est normal qu'elle ait perdu un kg en sachant que quand moi j'ai gonflé la bécane, déjà on était il froid. Que la bécane après, elle n'a pas roulé et qu'elle est restée euh, statique pendant longtemps. Un véhicule qui roule pas et qui. Qui roule pas surtout, ça se dégonfle, ça c'est tout à fait normal. Par contre celle-là qu'elle se soit dégonflée alors qu'elle n'avait même pas été montée, que je l'ai montée après la bécane elle l'air venue dessus ici et que je l'ai réessayée le lendemain, non, là c'était pas normal, très clairement. Donc la DT, euh, je pense pas qu'il y aura d'autres épisodes dessus. Hein. Je pense que tout le reste on le fera quand je ferai la mienne parce que la mienne c'est prévu, c'est à poil. Je vous le dis, la mienne c'est à poil. Normalement, si le là euh, j'ai encore quelques travaux à faire sur la voiture, je vais rechanger les triangles parce que j'en ai un qui a pété, l'autre euh... ça se passe de commentaire. Donc je rechange les deux triangles avant, les rotules de direction, rotules de suspension, les biellettes de direction. Une fois que ça c'est fait, je l'emmène en parallélisme pour faire le para. Donc normalement, à compter de 2024, je me remets dessus. Je l'attaque, je la fous à poil. Je refais euh, principalement déjà, je refais le moteur déjà. Ensuite, une fois que le moteur il est fait, je fais, euh, tout ce qui est, euh, bah, je fais tout ce qui est mécanique dessus. La peinture, je pourrais, de toute façon, je ne pourrais pas la faire début 2024 parce que hein, j'attends qu'il fasse un petit peu plus chaud pour le faire. Mais je refais la mécanique. Je vais euh, la faire, euh, faire les réglages et tout. Donc, je mets un squish de 1 mm et tout ça. Allumage calé à 0,20 et de 28. Et je vais essayer de tout faire, tout régler, nickel, pile poil, euh, tip top. Une fois que ça c'est fait, je refais euh, le mètre cylindre de frein, je le change. À l'arrière, je fais les, les changements de liquide de frein et tout. Et après, je la réassure parce qu'actuellement, elle n'est plus assurée parce que j'avais fait un papier de vente pour stopper l'assurance. Parce que maintenant, quand on veut stopper une assurance, on est obligé de faire un papier de vente. Et moi, j'ai été obligé de le faire parce que quand la DT elle a lâché, je venais juste de recevoir la nouvelle assurance. Donc, je pouvais, le contrat était déjà engagé. Donc, c'était mort. Du coup, après, je la réassure. On, je roulerai un petit peu avec et tout. Si je vois qu'elle est fiable, qu'elle est 100% fiable, je refais la peinture du châssis. Et par la suite, je changerai le cylindre. Et pourquoi vous allez me dire, bah, tu veux refaire ton moteur pour changer le cylindre après Parce que ce cylindre-là, il a fait un serrage, je vous rappelle. Et j'ai pas l'intention de le changer tant que le, il me continue à me percer les pistons. Je vais pas aller me faire chier à coller 300, plus de 300 balles dans un cylindre. si au final j'ai toujours le problème du perçage de pistons. Ça servira à rien. Surtout que les pistons cote A pour les trouver, c'est comme ça. Donc là actuellement moi elle est en code B vu qu'elle avait serré. Elle est en code B, elle est en code réparation. Donc euh, le problème c'est que le cylindre, il n'y a plus de résidus et tout ça dedans. Il n'y a pas des grosses marques, mais il y a toujours des marques. Il y a toujours des petites petites marques. Et à part si ça marche bien, j'ai la puissance maxi, il restera comme ça. Par contre, maintenant, si je vois que j'ai une perte de puissance, parce que je sais à combien qu'il a roulé avant, euh, quand j'avais le carburant 21 et euh, l'allumage euh, Millennium avant de monter le DD, parce que bah, j'ai pas pu en profiter avec le DD, j'ai fait 72 km et le moteur était en rodage. Euh, quand j'avais le, le, le millenium et qu'elle était euh, que je pouvais taper dedans, je prenais entre 120 et 125 km h Vous allez me dire, oh, mais c'est pas énorme pour un, un 86. C'est la vitesse qu'on a quand on a un de 21, qu'on a un allumage millenium qui est de type origine, hein, parce que j'appelle ça millenium, mais c'est du type origine. Allumage que j'ai toujours d'ailleurs. Et que je ne vends pas s'il y en a qui se posent la question, je le garde. Euh, voilà. on verra si elle est fiable après si elle est fiable euh, bah voilà quoi voilà voilà bah c'est tout pour cette vidéo pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je vous recommande lg motorsport racing mob 11 à 11 stream x 2.0 la chaîne youtube de mon petit frère et également la chaîne youtube bruno devine qui est une chaîne sur les voitures sans permis et maintenant euh, petite nouveauté je ne réponds à aucune je réponds plus à aucune question de mécanique, hein. donc euh, c'est plus la peine. Vous, que ça soit Insta ou YouTube, de bah, toute façon YouTube j'y réponds pas, hein. ça c'est clair et net. Mais Insta c'est fini, je ne réponds plus à personne. J'ai plus le temps, déjà. Euh, j'ai beaucoup trop de demandes hein, euh, et j'ai pas le temps de satisfaire tout le monde surtout. Donc euh, vu que je peux pas satisfaire tout le monde, bah c'est voilà, maintenant ça sera comme ça pour tout le monde. Insta, je pense, de toute façon, il ne va pas y rester. Hein. Je ne sais pas. Je ne pense pas mettre des trucs dessus en général. Mais je ne vais plus répondre aux questions. À part si c'est LG ou, ou. À part si c'est LG ou. Ou Mobon, des trucs comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, tu favorises des gens. Mais non, je favorise pas des gens. C'est juste que si ma chaîne YouTube actuellement, elle en est là, c'est grâce à ces gens-là. Parce que ma chaîne elle a eu du mal à démarrer et si elle est actuellement, je suis à la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 987 abonnés, je crois, un truc comme ça. On va je vais regarder, je vais vous dire. Actuellement, on est à 988, ab... j'ai 988 abonnés sur la chaîne et c'est grâce à eux. Je... c'est grâce à eux, grâce à Mobonze, grâce à LG, Mobonze me suit depuis que j'ai quatre 4... moins de 95 abonnés, je crois que j'avais 65 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et il me suit depuis longtemps. Et LG, il a fait de la pub pour ma chaîne. Donc c'est normal que je lui renvoie l'ascenseur. C'est tout à fait normal. Et Bruno aussi, hein, si jamais il a des problèmes, de bah lui, je... ça sera surtout sur Facebook. Hein, parce que euh, lui, il n'a pas d'Instagram. Et non, je ne note pas mon Facebook parce que c'est un Facebook perso. C'est pas un Facebook pour la chaîne. Donc non. Et euh, voilà. Donc, je suis désolé, mais maintenant, il n'y aura plus de questions. Puis, de toute façon, j'ai eu euh, trop de gens qui m'ont envoyé chier aussi sur Instagram parce que je ne leur répondais pas tout de suite. Euh, le dernier coup, j'ai un mec qui m'a carrément envoyé pêtre, mais limite comme un... Ben, franchement, envoyé pêtre, mais d'une manière, vous n'imaginez même pas. Euh, moi, pour info, je ne suis pas professionnel. Je touche zéro centime de YouTube déjà. Hein, donc, vous n'allez pas me casser... On ne me casse pas les couilles. Euh, et euh, quand je réponds pas tout de suite, c'est soit parce que je suis déjà avec quelqu'un, ce qui a été le cas ce jour-là, parce que le gars m'a envoyé chier parce que j'y ai pas répondu tout de suite maintenant, tout de suite. Sauf que moi le problème c'est que j'étais déjà en train d'aider un autre gars sur Insta. Donc je peux pas être à la fois à Rio Moulin. Donc maintenant, bah, puisque c'est comme ça, qu'il y en a où quand ils t'envoient des messages, il faut leur répondre tout de suite. J'ai quand même eu des gars qui m'ont quand même contacté à 2h du matin. Alors là par contre, non, je ne suis pas d'accord. Il euh, euh, y a la journée pour contacter les gens. Vous contactez les gens la journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, je m'en fous. Ou même ou, ou éventuellement même aussi en début de soirée, je m'en fous aussi. Par contre, ne me contactez pas à 2h du matin, parce qu'en général, je suis au lit à 2h du matin. Et euh, moi, être réveillé avec un téléphone qui sonne, euh, non, pas d'accord. Et aussi, euh, j'ai eu des gens qui me contactaient, euh, qui ne sont pas français, mais qui me contactaient en étranger. Euh, moi, c'est pas suis pas, c'est pas que je suis raciste ou des trucs comme ça. Je suis pas raciste hein, très clairement. Je manque pas les couilles. Euh, le problème, c'est que moi, quand on m'envoie des messages qui ne sont pas écrits en français, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je copie le texte, que j'aille sur Google, que j'aille sur traduction et que je le, euh, je le traduise. Ça, le problème, c'est que tout ça, c'est du temps perdu. Et euh, je pars du principe, euh, les gars qui sont étrangers. Vous tapez que vous parlez dans votre langue, voilà, c'est pas le problème. Vous copiez, vous écrivez votre texte, vous allez sur Google Traduction, vous le, vous le, vous le faites traduire en français et après vous l'envoyez. Moi, sinon, ça me perd du temps. Ou au pire, vous allez sur des chaînes. Il y a plein de chaînes YouTube sur la mécanique de roue. Il y a des chaînes dans votre langue. C'est obligé. Ou au pire, vous, act vous activez les, les sous-titres de, de, de mes vidéos, au pire. Il y a, normalement, vous pouvez activer les sous-titres. Mais euh, normalement, moi, non. Je suis désolé, je suis français, je parle que le français. Euh, je parlerai d'autres langues. Ça serait bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, non. Donc, maintenant, je ne réponds plus aux messages sur Insta. Désolé, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai plus, plus le temps, j'ai trop de demandes. Donc, non. Et euh, voilà. Donc, c'est tout. Et euh, bah, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, là, normalement, la prochaine fois, soit madame. Soit les scooters, je sais pas. Mais ça sera plus euh, la, 80... la DT, je pense. Déjà que je monte toutes les vidéos que j'ai à monter, ce sera déjà pas mal. À une prochaine, les amis